Bonjour à tous, c'est Sarah Nessandar et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo de vendredi. Vous l'aviez vu, nous avions fait un espèce de let's play, plutôt découverte, surprise pour Sandar, ouais. De ce nouveau remake de Tomb Raider 2, fait par Nicobas et son équipe réduite, un fan game vraiment très très prometteur, assez ouf. Je comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs il a pas été embauché par Square Enix pour le faire en entier. C'est clair. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, très très bon jeu, on a beaucoup aimé le début. Là on est arrivé sur la muraille de Chine et on vous propose justement de le continuer ensemble, on sait pas jusqu'où ça va aller. Et puis on va faire encore 3 quarts d'heure ensemble, hein. C'est une petite vidéo bonus de la chaîne. Puis Sandar va vous montrer ce qu'est... Voilà. Ce que j'ai dans le ventre. Et puis je suis sûr qu'il va mourir dès le début, je le sens. Non, non... Est-ce que je vous l'avais dit? Je vous l'avais dit. J'avais senti. J'adore son cri, je suis devenue fan. Ouais, c'est pour ça que tu meurs, mais... c'est exprès pour entendre son cri. Alors par contre, où est-ce que ça a sauvegardé? Ah d'accord, ça va, ouf. Oui, ouf. Alors je pense qu'il faut passer par là, non? Je ne sais pas. Comment on fait pour descendre? Ça me paraît un peu prometteur. Si tu fais un petit coup de baie, est-ce que tu te mets accroupi? Accroupi, oui, mais est-ce que tu te... Est-ce que je... Voilà, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors on va faire... le jeu de quelle position va-t-elle avoir quand elle va tomber. D'accord, ok. Les jambes écartées, les bras écartés, la tête sur le côté. Il y a des vidéos best-of de ça à chaque fois, c'est trop drôle. En même temps, des fois, elle se retrouve dans des positions... Ah oui, c'est normal. Bon, bah, on appelle ça le ragdoll, hein. Je sais pas si t'es au courant. Oui, c'est vrai. Non mais je te le dis, c'est pas si tu savais qu'on appelle ça comme ça dans le jeu vidéo. On appelle ça le ragdoll. Parce que c'est effectivement comme une poupée, en fait, désarticulée. Alors vas-y, va un peu à l'intérieur qu'on voit quelque chose. Voilà, tente ta caméra. Alors, où est-ce qu'il y aurait des endroits où s'accrocher? Là, non. Là, est-ce que t'as quelque chose? Là, y a pas un truc, là? Pour s'accrocher? Ouais, j'ai l'impression. C'est tendu. Alors, déjà, te colle pas à la paroi, sinon tu n'y arriveras pas. Ouais. Faut pas que tu te colles, faut que tu sois vraiment, tu vois, plus éloigné si tu veux sauter. Ah, j'ai pas vu la position. Elle bougeait encore? Ah, merde. Bug de collision. C'est trop bien le bug de collision. Donc tu me disais plus être... Ouais, mais après je sais pas si c'est là qu'il faut aller. Hein. T'entends... Ah bah là, sinon à la fenêtre. Bah oui. Ah bah oui, c'est ça en fait. D'accord. Bah je... Bah on est con, on l'a fait tous les deux. Essaye de te relever un moment comme ça, parce que elle aurait cogné ses jambes là-haut, ça aurait été marrant. Ah, des fois il y a des endroits où elle peut pas le faire. Alors, attends, observons. Alors ton sac à dos Lara, je l'aime bien mais... Putain il est bien modélisé de ouf hein, le sac. C'est con mais on dirait du cuir sans déconner. C'est vraiment propre, la texture est propre hein, sans déconner. Le fusil regarde, les fissures et tout, le bois là. Ouais c'est propre, franchement. C'est génial. C'est très très propre. Après ses cheveux c'est presque comme les premiers, c'est trop bien. Ils sont pas trop modélisés. Ouais après faut pas... C'était des polygones en même temps. C'est pour ça que ça me fait penser à Underworld, je te disais, parce que quand même il y a une grosse différence entre les nouveaux et Underworld. C'est que Underworld il y avait ce côté quand même pas réaliste. Oui, là c'est pas réaliste. Alors que les nouveaux c'est plutôt réaliste. Là tu vois, on voit bien que c'est du ah oui, intéressant. Ouais, on voit bien que c'est du cartoon quoi, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Alors que dans le nouveau les cinématiques par exemple, ça fait hyper Putain, faut aller où là? Pardon. Attends, ouais, bien joué. Oh mon dieu, comment t'as fait? Attends, non, au-dessus. Ouais, je dirais aussi. Voilà. À droite, non? Là il y a un truc là. Oh yes. Ouais, essaye. Ah bien, ouais. Ok, à droite sûrement. Oh putain, elle fait des sauts de bâtard. Ouais, c'est clair. Franchement. Alors Lara, bah, t'es gentil, mais... On va faire ça quand même. Parce que je vois pas trop où, mais... Ouais, je vois là, moi. Oh putain. Oh la... Ça vibre. Vite, deuxième choix. Ah oh, ça c'est vachement cool, ça. Trop cool. Putain, ça c'est bien fait, ça. Ah, mais c'est super génial, ça. Tu te rends compte ou... descends d'un cran. Non? Non. Mais non, que ça fait T'as fait A? Oui, parce que... pour descendre, Mais c'est B. Ah, c'est pour monter. On te le dit tout le temps dans le jeu, B pour descendre. Non, c'est B pour lâcher. Bah oui, faut pour descendre. Bon, c'est pas grave. On a trouvé où fallait aller. Voilà, on sait où il fallait. Ah la vache, la vibration, c'était impressionnant, c'était bien fait ou pas? Ouais, c'était ouf. C'était ouf. C'était Gaudin ou pas? C'était Gaudin. Ouais, ouf Gaudin. Ouf Gaudin. Pourquoi pas? Allô? Bah, c'est en arrière là que tu dois faire ton joystick. En arrière, voilà. Ah ouais, d'accord, oui, je suis bête. On se reste. Au-dessus là. Au-dessus. À droite. Au-dessus. Au-dessus. Yes. Non, non. Putain, à droite. À droite, à droite, à droite. Je vais aller trop vite. Ouais, calm down, bitch. Pouf, ok, là tu vas à droite. Ça vibre. Oh la vache, c'est bien fait. Ok, attends, non, c'était B là.
B et re-A direct quand t'es en bas. Voilà, c'est ça. Ok. Attends. Est-ce que tu veux pas aller à... Oh non. B encore. Ah bah oui, putain, je suis con. Et re-B, je dirais. Ou alors CMR, elle a un souci là quand même. Ah, je me suis cassé la cheville. Ah, oui, d'accord, faut aller là du coup. Bah oui, c'est ça. Alors je regarde quand même si. Oh, elle a glissé. Ouais, j'adore. J'adore les moments de glissade, c'est génial ça. Dans le, ouais, 3, cool. Dans le 3, tu dévales toute une pente dans la jungle. Bah, de toute façon, là aussi, elle a commencé par dévaler une pente, t'as vu. Mais le début du 2, c'est ça. Hein. Moi, oui. Je me rappelle de ça. Hein. Tu dévalais déjà pour aller dans la grotte. Ouais. Hein, c'était la grotte, c'était ça. Et donc le 3, c'est dans la jungle, mais c'est super long. Et ça fait. J'ai super longtemps et c'est trop épais. Bon bah y'a rien. Y'a rien du tout, c'est dommage. C'est dommage. Allez, on continue, y'a des corbeaux. Alors, RB enfoncé pour sprinter. Alors, RB. Gâchette tout en haut à droite. En haut à droite. Ah oui, oh! Sympa! Waouh! Donc là, faut sauter. Attention. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, oh la vache, t'as perdu là la vie. Bah ouais, mais je pensais qu'il fallait sauter en fait. Attends, bah je mourrai à toi. T'es mort sous l'eau. Ah la vache. Oh. Non, mais alors là, c'est comme dans la vraie vie. Quand tu fonces à donf et qu'il y a un trou, tu ne sautes pas tout de suite avant sortant parce que t'as un élan de porc et tu t'exploses la gueule. Ne fais jamais ça dans la vie, d'accord? Sans d'accord. Ça. D'accord. Stop. Oh, t'as perdu de la vie encore. Hein. C'est dingue, ça. Hein. Ah, c'est dingue, ça. What the fuck. Attends, appuyez sur C ou B avant d'effectuer un plongeon. Ah bah c'est ça, faut aller dans l'eau, en fait. Ouais. Attends, mais... Non, attends, je comprends pas. Ouais, t'as pas compris. En fait, tu dois sauter dans l'eau. Sauter, pas glisser. Sauter et appuyer sur B pour faire un plongeon. Mais à la limite, arrête de courir et lis ce qui est marqué. Tu vois? D'accord. Calme-toi dans ton gameplay. Calme-toi. Sanson, elle est trop pressée ou alors trop fouilleuse. Un truc de ouf. Donc là, faut que je... Pourquoi fallait que je sprinte? Non, fallait pas que tu sprintes. Personne t'a dit... C'était avant quand t'as dit sprinter. D'accord. Alors, après un saut. Tu vois? Immédiatement après un saut. D'accord. Saute. B. Bien joué, c'est ah, bon. Ah, elle a fait la bombe. Ah, ouais, c'est classe. Nul. Ah non, mais avant, ah, faut que je fasse marcher. Parce que quand tu fais marcher, elle fait vraiment un truc comme ça. Elle est... En fait, elle est gracieuse. Donc, celui là. B pour. Pour nager plus vite. Lis ça et parle après. Donc, c'est la même touche que sprinter, quoi. Ce qui est logique. C'est beau. C'est trop beau. J'allais voir sous l'eau. Vas-y, on va voir sous l'eau. Ouais, des poissons sky, mon gars. Ouais. Subnautica, Subnautica. C'est ça. Oh, c'est beau. Ils sont trop cool, les poissons. Ouais, ils sont trop beaux. C'est des poissons-nous. Le mec, il retient sa respiration. Ah, je te jure, ça me fait l'effet, là, moi. C'est un truc de ouf. Hein. Je retiens ma respiration, là. Toujours. Avec ses petites gouttes. Ah, ah, arme secondaire, avec la flèche de droite. Ouais, c'est okay, pompe. Ok, pompe. Super. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il y a un... Oh, bordel. Un ennemi? Ah oui, c'est sûr. Ça va. Il y a un lion ou un truc comme ça. Ouais. Un tigre? Oh putain, un tigre de non, pas le tigre, pas le tigre, pas le tigre. Oh, c'est bon, il est mort. Oh la vache. Ah non, c'était dans le 2, les tigres. Hein. Ah non, mais dans le 3 aussi, il y a des tigres. Oui, mais du coup, c'est dans le 2. Non. Tu as... Ah si, tu viens de faire ça. Et tu peux pas recharger dans ce jeu? Non, je sais pas la touche du coup. Mais... Ne fais pas tirer quoi, c'est tout. Voilà, bon bah tu peux. C'était quoi du coup? Y? Ok. Non, c'était chaud. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans la cascade? Je sais pas. Moi j'ai toujours l'impression que derrière la cascade il y a des trucs. Ouais, c'est souvent le cas. Tu peux y aller? Ouais, attends, je fouille les horizons. Ah, parce que pour moi c'est la suite par là en fait. Ah oui, tu penses? Ah bah non, je me trompe peut-être. Non, mais je me trompe peut-être. Si, c'est possible. J'ai peut-être de la merde. Non, mais je... Non, mais c'est ça qui est pas évident. Même dans le dernier, ah, il y a là aussi. Ça, oh, bah, ouais. C'est... Bah, va au plus près. Au plus près, théoriquement, c'est moins... Bah, c'est pas forcément vrai ce que je dis, mais... Il était beau, le tigre, en fait, n'empêche. Grave. Il est super beau. Regarde, là, il flotte. Ah, on dirait qu'il est vivant. Pauvre bête. Ça a toujours été ça, très Tomb Raider, ça, de buter à mort d'animaux, non? Hein? C'était quoi? Très Tomb Raider de buter à mort d'animaux. Ouais. C'est pas très vegan, y a dans des, le coup, il y a des singes dans le 3 et tout. Tu dois buter? Bah oui, c'est trop méchant, quoi. C'est ça, ça singes, tu vois, quoi. Ça passerait plus aujourd'hui, je pense, en jeu vidéo. C'est con, ouais. Ouais, il y a des hommes dans le ouais, bon, je sens bien. Je sais pas, j'ai cru voir un peu. Mais oui, on voit. Ah.
Ah, bah, prenez une falaise en même temps. Ah, peut-être pas en fait. Non, non, on a halluciné. On a halluciné. Non, non, c'est sûr que non. Hein. T'énerve pas, c'est sûr que non. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est grave profond à cet endroit-là. Ouais. C'est, par rapport au début, c'est ouf. Hein. Mais C'est pas mal. Ouais, pas bête. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça passerait plus du tout parce non. Que aujourd'hui. Protection des animaux. Blablabla. Ouais, puis c'est logique en même temps. C'est pas, la morale est pas bonne, tu vois. C'est, à un moment, tu fais pas ça, quoi. C'est comme ça passerait plus en fait de sortir une héroïne avec des formes pareilles. Non. Là, il a respecté, il lui a fait des, ce qu'on appelle justement la Lara Croft à l'ancienne avec les énormes seins. En même temps, c'était logique. Ils sont quand même beaucoup moins. Si tu regardes tes deux images en bas, ils sont quand même beaucoup moins gros. Hein. Bah, de face, hein, mais regarde de profil, ouais. Là, le personnage quand même. Ils sont quand même assez huge, tu vois. Ouais, mais elle a genre un D. Avant, elle avait un F. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, la Lara Croft, ils l'ont fait beaucoup plus réaliste. Ouais. Ouais. Puis un peu plus masculine. Moins plantureuse. Bah oui, plus aventurière en fait. Parce que tu vois mal une femme avec des attributs comme ça faire des escalades et tout, quoi. C'est hyper gênant, bon MF. Tu fais rien avec ça, hein, je suis désolé, c'est hyper handicapant limite, tu vois. Elle rebondit sur ses seins, c'est tout ce qu'elle fait, quoi. Je m'en rie. Et puis du coup, c'est vachement plus agréable parce que c'est plus réaliste. Ouais. C'est clair. Après, c'était. C'était l'époque. C'était l'époque, quoi. Et puis c'était drôle aussi. C'était vraiment drôle de voir une meuf avec des courbes. Après, je sais pas si c'était fait pour être drôle. Hein. Non. Bon, bah là, il a l'air d'avoir rien du tout. Non. Nada de nada de chez Nada. Attends, Walou. Walou Nada. Peanut. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et puis c'était marrant les cinématiques aussi quand elle parlait dans le 1. Je crois que c'était dans le 1. Bah, elle ouvrait pas la bouche. Ah, bah oui. Il savait pas faire ça. Bah, non, et c'était du coup, trop. C'était tellement drôle. Il parlait et puis. Elle bougeait la tête quand même. Ah, oui, d'accord. Ouais, parce que mobiliser une bouche, c'est compliqué quoi. Leur main comme ça et tout. C'est trop drôle. Ah, ça fait mal aux yeux, mais c'est tellement. Ouais, aujourd'hui, c'est dur de jouer des jeux comme ça. Franchement, ouais. Ça pique. Hein. Ça pique grave. C'est clair. T'es habitué à ça. Même bon, t'avais une première grotte à droite, ouais. Juste là, ce que j'avais vu. Oh, la vache, il t'a foncé dessus. Ah oui. Saute, hein. Saute en arrière, à l'ancienne, non? Voilà. Oh, yes. Ah, mais en même temps, j'ai pas le... Ah, putain, il va... Oh, la vache. Ah, c'est bon. Eh ben non. Alors, trousse de soins utilisable avec ton inventaire. Ok. Ah, ça prend une grosse automatiquement? J'ai plus de petite. Ah, mais tu connaissais la touche des grosses? Bah, c'est la même touche. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut mieux l'utiliser par... Ouais, comme par... Ah, bah, heureusement. Ah non, c'est une petite. Ah non, une grosse, ok. Parce que utilise... Non, c'est une petite que j'ai. Oui, c'est ça. Oui. Passe par le menu, du coup. Parce que ça t'évite d'utiliser la mauvaise, au cas où. Ah oui, c'est vrai. Parce que, du coup, c'est la même touche, un peu chaud, quoi. Mm. Bon, t'as réussi. T'as eu double tic, quoi. Donc, n'hésite pas à faire l'esquive. Hein. Oui, c'est vrai. Le fameux. Ah non. Non, t'es pas en combat. Bah oui. Bah non, parce que normalement on pouvait le faire, mais là non. Oui, mais non, parce qu'il n'y a plus le fait de reculer. Recul. Voilà. Mais en combat il l'a gardé. Ce qui est logique en fait, parce que ça vise automatique. Hein, ouais, c'est beau, hein. Oh, ouais. Puis le tigre il est violent, hein. Grave. Bah en même temps c'était violent aussi dans les anciens. Putain, il t'attaquait de ouf les animaux. D'accord. Voilà, on peut monter là quand même, rassurez-moi. Ah bah oui, là je suis con. Là-dessus, ouais. Ouais. Ah bon? Non. What the fuck? What? Bah. C'est pas juste. Bah non, c'est pas par là. On s'est dit oui, on va pas aller par là. Parce que ouais, parce que ce machin, bah tu parles, y'a rien. Attends, faut... J'essaie de m'accroupir. Oh, t'as vu ce que j'ai fait? Ouais, pas bien, mais tu le montreras plus loin. Vas-y, remontre. Ah, merde. Ah, ouais, bien joué. Comment j'ai fait? Oh ah, voilà. Hop là. Ah, sympa. Et hop là. Et hop. Arrête, elle va se décoiffer. Oh. J'adore, c'est trop bien. Non, non, y'a rien, ça se voit. Bon, le tigre, c'était pas où? Bah, dans la grotte du tigre, tu peux y retourner pour voir, parce que ça me paraît étonnant que... Je sais pas. Moi, je retournerai dans la grotte du tigre quand même. Peut-être au fond, on n'a pas vu, mais on pouvait monter. J'ai plus de lampe. Ouais, ah, pas besoin, de toute façon. Si? D'accord. Bon, bah, y'a besoin, alors. Ah si, parce que regarde, j'avais même pas vu. Oh! Oh! 13. Non, y'a rien ici. Y'a rien du tout. C'est ça aussi qui était super important dans les Tomb Raider, fallait absolument éclairer comme ça à mort et tout, parce qu'il y avait tout le temps des trucs dans le noir. Vraiment dans le noir. Dans le noir.
Dans le manoir, je sais qu'il y a des pièces comme ça. Là. C'est là. Là. Exactement, c'est là. Et après, tu montes là, c'est ça. Non, en haut, au-dessus, ouais. J'ai encore du mal avec le fait de rappuyer. Putain, mais tous les jeux, c'est comme ça, quoi. Parce que j'arrive pas à comprendre ça. Ouais, pourquoi pas par là, ouais. Oh putain, c'est bien fait. C'est bien fait parce qu'on a pas l'impression de pouvoir passer, hein. Ouais. Oh, il y a eu un petit temps de chargement, donc c'est là. Moi, je me fie à ça. Ça, ça fait bzzz. J'ai bien fait de garder ma... Ta torche. Ma torche qui va... Oh, pas de ça. Mais... Alors, on va aller par là. Non, là, c'est la suite. Bah, je sais pas. Non, c'est par là, la suite. Ah, je sais pas. Bah, va là où tu veux. Je sens qu'il va y avoir des tigres encore. Non, j'espère pas. Attends, en vrai, attends, observons, c'est magnifique, putain, c'est beau. La végétation, le caillou, attention, tu vas glisser, hein. C'est mouillé. Attention, tu vas glisser là. Bah non, c'est mouillé au sol, tu vas pas sur de la pierre comme ça, même si elle a des rangers là. Elle a des belles chaussures. Hein. Est-ce que. Je peux. Je tente. C'était logique, on pouvait pas, c'était logique. Ça lui a fait fermer sa bouche. Bah, et après, elle est morte. Elle est ce qu'on appelle morte dans le milieu. She's dead. She's dead to me. Comme The Punisher. You're dead to me. Ça l'a marqué sans sens. Hein. Ouais. Bon, bah là, je pense que c'est juste pour observer en fait. Pour se faire un kiff visuel en fait. Comme il y a souvent dans les jeux d'aventure maintenant. Oui, hein, un truc pour juste montrer, genre, on a modélisé une grotte trop belle. Regardez les gars. Oh. Non, mais c'est vrai, c'est con, mais. Vu d'ensemble, quoi. La musique est géniale. Ouais. Musique amatrice, ouais, encore une fois, hein, je vous rappelle, hein, c'est. Ça lag un petit peu dans mon oreille, je sais pas toi, mais. Ah non. Elle saute, la musique. Non, moi, c'est. Comme dans l'ancien, mais. C'est... Ils ont voulu garder ça. Ce côté. Ce côté ni nul. Bon, oh, bien joué. Parce que là, on voit absolument rien. Comme j'ai pas la touche marché. Non, c'est pas par là, c'est pas par là. Là, tu vois bien que c'est penché. Là, c'est pas penché. Tu devrais faire modéliseur de... Modeleur. De modeleur de jeu. Modeleur de jeu. Mettez un pouce bleu si vous voulez que Sarah devienne modeleur de jeu. Et de pâte à modeler. Yes. Oh, il y a un truc là-haut. Oh, il y a plein de trucs là-haut. Des cartouches, non? Ouais, petit coup de pied au calme. Ah, c'est bien, des fusils à pompe. C'est croix. Faudrait que tu recharges ton fusil à pompe d'ailleurs, ça serait bien. Ah oui. Y, tu m'as dit. Ah oui, mais faut l'avoir. Ah oui. Oui, ce qu'elle nous dit quand même. Ouais. Et du coup, elle a lâché sa lampe torche. Ouais, bon, on s'en fout de ça. Pas besoin. Tu peux pas récupérer. Oh, beau gosse. Ok, à mon avis, il faut sauter en face. Alors, reprends une torche, hein, parce que là, on voit rien. Ou alors, faut descendre. Alors, attends. Mets ta caméra pour qu'on voit ce qu'il y a là, s'il te plaît. Tourne ta caméra, là, s'il te plaît. Encore, voilà. Parfait. Alors, qu'on voit un peu. Non, il faut sauter direct. C'est loin, sauter non en face. Bah là, non. Non, là. C'est d'où on vient. Pourquoi tu veux sauter là où on vient? Ok. Bah je pensais que... Bah non, faut pas passer... Mais c'est là d'où on vient. Ah oui, d'accord. Ah non, mais t'as raison, faut retourner en arrière. C'est ça. Oui, retourne en arrière. En fait. Ah, que ça fait? Ah non. Oh la vache, la chatte. Oh la chatteuse. Oh la chatteuse. C'est ce que je voulais dire. Non, non, c'est pas là, c'est pas là, c'est en face, là. C'est en face. Non, 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 c'est pas là, c'est en face. Oh, elle me fait peur celle-là, elle me fait peur. Voilà, c'était remonté là. Et puis elle est directement en face, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Là ça le fait le saut. Ah, faut que je fasse ça. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Yes. Ah, il y a même une autre trousse de soins, c'est cool ça. Allez. Ça fait plaisir. Moi, je suis pressée, en fait, qu'ils fassent le manoir juste pour le majordome. Qu'ils remettent le majordome. Ah, il y a une lettre. Qu'on puisse, ouais, qu'on puisse l'enfermer dans la chambre froide. Bah, si c'était la blague de l'époque... Ouais, excusez-moi, je vais pas y avoir. C'était la blague de l'époque, forcément, il va la refaire. Il va le faire. Il va le faire. Alors, Johan Burkans, explorateur, 12 septembre 1980. Alors, je précise juste que le 12 septembre 1984, c'est l'anniversaire de ma mère. Elle venait d'avoir, là, du coup, 21 ans.
Mais on s'en fout. 34. Ce pauvre Richard a vraiment cru que j'allais partager ma future notoriété avec lui. Richard, c'est mon père, en plus. Oh, arrête. Oui, il m'a bien aidé pour localiser la dague de Xian. Je dois même dire qu'il a fait tout le travail. La seule chose qui m'énerve, c'est que je tourne en rond dans ce si grand espace et pas la moindre trace de la dague. M'aurait-il induit en erreur? Quand je l'ai vu tomber dans cette grotte, j'ai dû me concentrer de toutes mes forces pour m'empêcher de rire. Et l'entendre crier mon nom, Johan, Johan, avec quelque chose de divertissant. En tout cas, ce n'est clairement pas une chose qui m'arriverait de tomber de plusieurs mètres du haut dans une grotte. Ah d'accord. Donc, il est vraiment, mais alors vraiment pas gentil, Johan. Ah non, Johan, c'est pas un mec cool. Pauvre Richard, ouais. Pauvre Richard, parce que le Richard, il est mort. Ouais, mais Richard, apparemment, a volé un peu le succès de la recherche, hein, parce que c'est Johan qui avait trouvé. Ouais, attends. Je sais pas comment on dit. Alors, est-ce que par là tu vois quelque chose, vers la gauche du coup? Parce que là tu viens de là, donc là plutôt regardons, voilà, on ne voit rien, d'accord, au-dessus est-ce qu'on voit quelque chose? Peut-être au-dessus, ça me paraît un peu hasardeux. Ça a pas l'air, non. Ouais, non, ça a pas l'air du tout. Hop, ça a pas l'air. Par où il faut qu'on aille là? Attends, on vient de là, là. Oui, on peut pas par là. Donc pas par là, on n'est pas allé par là. Ouais. Mais attends, mais nous sommes pas allés par là. Ah bah voilà. Ça sent le tigre. Ça... Ah du coup j'ai peur qu'il y ait des tigres tout le temps maintenant. C'est insupportable. Ouais, de toute façon avant ça change rien. Ouais, il faut que je prépare mon fusil à pompe. Ça sauvegarde de toute façon. Prends tes flingues quand même au cas où. Ah non, c'est là où t'étais tout à l'heure, c'est là d'où on vient. Ouais. Ah donc en fait on venait pas de là où on avait dit. Donc où j'avais dit d'ailleurs. Donc j'ai dit de la merde. Moi je t'ai écouté et voilà mon nom. Donc ouais, donc tu peux remonter en face. Ouais, j'ai dur. Voilà, elle peut pas le faire son truc. Du coup, il faudrait que j'aille par là-bas. Ouais, tu sautes par là, hein, tu peux normalement. Ouais, nickel, madame. Ah! La lumière! The light of the jour. Putain, ça me fait penser au début de. De quel jeu? Du dernier de Fallout, je crois. Ou de Zelda, ouais, aussi. Mais il y a toujours ce principe de la lumière. Oh, oh. Putain! Ah mais c'est en haut de la hauteur voilà, de noter, en fait, mais oui. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Forcément faire quelque chose, là. Dites pas que c'est juste pour faire genre... Ah, regardez, c'est beau. Regardez comme c'est beau. Ah si, on peut aller en face. Mais on était déjà pas allé, non? Bon, peut-être ah, pas. Ah non, on était pas au-dessus. Hein. Oh putain, j'ai pas cru. J'y ai pas cru. J'y ai pas cru une fois qu'il était en l'air, j'ai fait c'est foutu. Bon, moi j'irai pas par là, déjà. Là tu redescends, donc c'est un peu con. Alors, ouais, mais... Non mais regardons par là un petit peu. Est-ce qu'on peut pas... Regarde, remonter après, non, non? Non, non, ça se voit que c'est penché. Par contre ici, non, par contre par là, bon, c'est un peu qu'on voit, STP. Voilà, au-dessus. Là tu peux pas t'accrocher là, c'est un peu craignos. Ouais, de toute façon tu peux sauter, non. Moi j'ai l'impression que c'était juste encore une fois pour avoir une trousse de soin, pour retourner en arrière. Mm. Je sais pas, hein, je me trompe peut-être, mais... Oui, c'est possible. Hein. Je vois pas pourquoi, en fait, il y aurait une trousse de soins déjà sur le chemin. Ça me paraît bizarre. Elles sont souvent planquées. Et en plus, là, je vois pas où tu peux aller, quoi. Bah, on peut en arrière. Oh putain, mais on dirait que ça va pas le faire, mais ça le fait, comprends pas. Allez. En plus, toute mouillée, là. En plus, toute mouillée. La cochonne. Attends, mais tu peux aller là-haut, là? Non. Putain, je suis trompée. Ah ouais. Et ça, c'est fatal. C'est fatal. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Utiliser une trousse de soin pour rien. C'est pas bon, ça. Ça y a rien. Bah non. Cacher une trousse de soin juste pour faire ça. Non mais il est bien dur le jeu, c'est cool. Non là c'était juste pour une trousse de soin, c'est sûr. Non non mais là on vient de là. Oui je sais mais. Non t'embête pas, là y a rien, je t'ai dit j'ai tout observé, y a rien. Je redescends quoi. Ouais, tu vas en face ou tu redescends comme tu veux. Après, est-ce qu'il faudrait pas descendre? Ce que je me suis dit après. Mais après, il faut aller plus bas pour voir un peu. Mais... Ouais, c'est craignos un peu. De l'autre côté, vas-y, tente ta vue. Bah, essaie d'aller en face pour qu'on voit de ce côté-là, peut-être, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton soin là? Ok. Je t'en suis un peu moche. Ok. Ne réutilise pas de trucs, hein, c'est bon, on voit très bien. Non, on peut pas descendre là. On peut clairement pas descendre. Y'a rien du tout, y'a rien pour s'accrocher. Ah, je crois pas. Oh, Pierre.
Toujours tenter, hein. Bah, tenter quoi? Non, ça sert à rien, parce que de toute façon, tu vas tenter, tu vas pas t'accrocher au bon endroit, donc tu vas mourir, tu vas dire c'est pas possible, ça sert à rien. Non, y'a rien là, y'a rien du tout à s'accrocher là. Ça sert strictement à rien de mourir. Ok. Bon. Attends, je vais demander. En dernier recours. Mais là, là y'a rien pour s'accrocher, ça se voit direct que c'est pas possible. La paroi est plus large que le bas, donc c'est pas possible. Alors. Moi je dis. Ouais, je dis par là. Ça va être par là qu'il va y avoir un truc. Est-ce que tu peux... Non, tu peux pas t'approcher. Pire, Oh, bien joué. Et vas-y, et là, à gauche direct. Ah. Oh putain, bien joué. Vas-y, monte vite. Monte vite, monte vite, monte vite, monte vite. J'arrive pas. Mais non, c'est même pas bon de faire ça. Mais non, mais je voulais pas. J'arrivais pas, ok. Et j'ai, par réflexe, appuyé sur le truc pour faire mon truc. Bon, c'est un réflexe. Appuie sur A quand t'es sur un rebord. Oui. Et ce réflexe, parce que c'est dans tous les jeux, il va falloir que tu apprennes ce réflexe si tu veux faire n'importe quel jeu d'aujourd'hui depuis 2000. Depuis 2000. C'est vachement calme cette phase où il faut glisser d'un côté, glisser ouais, de l'autre. Mais il y avait ça. Hein. Ah, direct. Et je fais là. Oui, je sais. En face, vite. Oh, bien joué. Bien joué de ouf. Ok, là on peut être content. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas revenir en arrière, donc on a bien fait de faire tout avant. C'est clair, en plus on a chopé je pense pas mal de trucs un peu cachés quoi. C'est le nombre de trucs de soir qu'on s'est chopé. Faudrait aller en face là non? Attends, ah, ouais, tu peux aller là-bas déjà. Oh, un petit peu d'eau là. Joli comme tout. Ouais, c'est beau. De l'eau bleue comme ça, c'est beau. On dirait moi quand je prends un bain. Ah, on va redescendre par là après. Mmh. T'as vu? Il y a une pente donc ça va être la sortie. Ah, la sortie. Ah, pour moi, faut clairement aller en face là. Ouais. Ah, bah, je sais pas, je vois ça, je vois bien ça comme ça. Moi. Ouais, voilà. La petite mousse là, toi. Ouais, c'est vraiment beau. Les cailloux mouillés là, c'est trop bien fait. Comment les monter? Oh, moi je m'en bats les couilles, frère. Ha! Ouais, je suis d'accord, mais. Oh la vache, t'as perdu toute ta vie. Est-ce que je devrais pas mourir plutôt? Comme tu veux. Elle a son cœur qui bat. Je sens rien. Ah si, ah oui, oh exact. On a une petite vibration en fait. C'est trop bien. Qu'on a peu de vie. C'est pas mal ça. Et quand tu meurs, t'as une vibration? Non. Ah par contre, non. Ah c'est marrant ça. Ouais, c'est... Mais par contre, quoi, effectivement, t'as peu de vie, t'as le cœur qui bat, c'est sympa. Mm. Ouais, je préfère me sacrifier, recommencer toute ma vie. Full life quoi. Pour dire en anglais. Exact. Alors, faut refaire le. Mais c'est pas grave, je maîtrise. Ouais, c'est pas le plus dur, franchement. Une fois que t'as compris, il fallait appuyer sur A. One long angry line later. Ok, nickel, voilà, tu vois que je peux y arriver. C'est moi qui avais la manette là, normalement. Les gens de. C'est pas là. Ah, mais pardon. Concentre-toi, avant de faire des blagues. Vas-y. Bien, joué. En tout cas, c'est cool parce que du coup, on profite encore mieux. C'est par là. Non, mais je regardais quand même que. On profite encore mieux du décor. Ah, t'as déjà regardé tout à l'heure ça. Bien joué, voilà. Sympa. Ok, ah ça voilà, c'est bon. En plus, ouais. Comme ça, c'est alors. Vite de... Coup... Est-ce que je pense qu'on peut descendre là? Non, c'est là d'où tu viens du tout, donc tu descends pas ah, maintenant. Non, faut aller en face, clairement. Et là, il y a de. Il y a un rebord là. Ouais. Bon, pour moi, il y a un rebord là. Juste en face, t'as deux mois. Là, il y a un rebord là. Ouais, qui est bien penché, c'est trop bizarre. Ouais, nickel. Ouais. Non, pourquoi elle a lâché? Je sais pas. Alors, je lui ai absolument pas demandé de lâcher. J'ai rien appuyé, j'ai pas appuyé sur B, j'ai. Oui, c'est peut-être sans faire exprès, mais ça n'était pas mon intention. On a bien compris. Mais à mon avis, t'as appuyé sur B au lieu de A, puisque t'as vachement de mal avec le placement non, des boutons. Non, j'ai pas appuyé. Bah. J'ai pas ni sur A, ni si. Non, j'ai pas voulu appuyer en fait. J'ai entendu. Donc, je sais pas. J'ai dit d'appuyer sur A pour monter, t'as appuyé, ça c'est tombé. J'ai entendu appuyer. Voilà, tu m'as entendu appuyer. Oui, je t'ai entendu faire. Ok, j'ai peut-être appuyé sur B. Ok, je l'avoue. Ok, bah en face, non? Bah ouais. C'est beau les lianes là, t'as vu? Ouais, c'est trop beau. C'est bien. Ça sent le tigre. Bah, de dire ça tout le temps. J'ai peur. J'ai peur des tigres. Ok. Ouais, bah, là, c'est si tu tombes ma gueule, tu te fais mal. Ah. Bien joué. Voilà. Bien joué. Non.
Oh, pas aux pompes, pas aux pompes, pas aux pompes. C'est pour ça que je t'ai dit de pas armer le pompe tout à l'heure, t'as remarqué? Je t'avais dit ça, ouais. Et tu l'as laissé. Faut jamais armer un pompe. Bah, c'est... Toujours armer son arme la moins puissante. Et tu retournes sur la muraille de Chine du coup. Ok. Ouais, c'était ça le but au final, ouais. Bah oui, c'est ça. Ah, est-ce qu'on pouvait pas avancer exact sur la partie ouais. C'était ça. Ah, je peux soit aller. Bah, non, c'est à gauche là, c'est à gauche. C'est clairement à gauche. Là, c'est beaucoup trop long. C'est là, tu vois, là t'as directement le rover. Ah, peut-être qu'il y avait un truc là-bas. Hein. Non, t'inquiète. Voilà, nickel. Nickel chrome, dame. Point de passage. Il n'y a point de passage. Je regarde quand même en arrière, on sait jamais. Ouais, bien sûr. T'avais une porte en bois, mais je crois pas que tu puisses faire grand chose avec. C'est un escalier ça ou c'est la fête à ta mère? C'est un escalier. Qui est cassé, tu vois. Regarde. Non, non, mais descends. Descends, descends. Mais si. Regardons, regardons avant de. Ouais, d'ordonner. Tourne la caméra qu'on voit quelque chose. Voilà. C'est là où on était, hein. Ah bon? Oui, c'est là où on pouvait pas monter. Ah, j'avais pas du tout vu ça comme ça. Ah, t'as le lac en bas là? Mais tout ah, à oui, fait. D'accord. Ah oui, non, c'est pas là où on était, mais c'est un peu plus loin. D'accord. Il n'y a pas du bois ici? Ah, on peut péter le bois. On pouvait péter le bois avant comme ça? Je ne sais pas, peut-être. Ah! Ça t'attaque là. Alors, Y ah pour vous débarrasser des araignées, X pour les écraser. X, X. Non, mais non, X. Mais sérieusement! Voilà. Elle va aimer Sandra, elle adore les araignées. Ça va être bien. Mais merde! Mais merde! Ah, ça m'énerve. Pourquoi ils ont fait ça? Regarde-moi cette défaite de... Putain, c'est des frissons. C'est insupportable. Ah, je peux aller par là. Ah, je vous avoue, je ne sais pas trop où aller. Dès que t'entends le bruit de l'araignée, tu te prépares à appuyer sur X. Mais par là, bon. Il dit araignée, je tremble. C'est horrible. T'inquiète pas, c'est dans un jeu. C'est pas en vrai. Ouais, elle est du mal. Elle monte sur elle, c'est horrible. Bah, y'a un truc là. Ouais, elle trouve ce soin. Bien joué. Bon, la porte. D'ailleurs. Quoi? Oh, attends, je vais prendre une petite. Ah, c'est pas. Si, c'est bon, tu viens de la manger? La manger? Bah oui. D'avaler mon petit cachet d'aspirine. C'est ça. Non, c'est. Touche d'action. Ah, il faut une clé. C'est pas con. C'est pas con, hein, pour le principe. Alors, où est-ce qu'on aurait pas vu? Ah, bah faut monter, bah oui, ouais, qu'on est con. J'ai entendu un arrêt. Ouais, moi aussi, mais faut que tu tentes ta vue pour les voir. Faut pas que tu les évites du regard, parce que sinon on va pas savoir où elle est. Faut mieux la voir, comme ça au moins. Putain. Elle est là? Ah non. J'ai des hallucinations, du coup. Olfactive. T'as une porte là, du coup, tu vas pas l'ouvrir, celle-là non plus? Ah non, il y a du bois. Il y a forcément un truc là-haut, il y a forcément un truc. Ah, mais il faut peut-être escalader quelque part. Au milieu là, tu y avais quoi? Ouais. Ah voilà. Ah, ouais. Une échelle. One échelle. Ah, l'animation est propre. Ouais. X pour R pour passer en visée manuelle, d'accord. T'as appuyé sur R du coup, c'est ça? Sur le joystick? La visée manuelle de quoi là? Ah, toi t'es en manuel quoi. Tu peux tirer en mode manuel, je pense, du coup. C'est ça. Ah oui, d'accord. Oh. Ah, putain! Je peux pas. Yes. Je suis désolée, je peux pas. Je sais pas les touches. Yes. Alors, Melissa Trint, étudiante, 5 avril 1996. Je dois réussir à me barricader. C'est la meuf qui doit être là, du coup. Elles ont bondi sur moi depuis l'extérieur. J'ai terriblement mal à l'épaule depuis quelques minutes. Mais tu m'étonnes, elles l'ont piqué, les saloperies. Dans la précipitation, j'espère m'être cogné. Oui, elle pense. Et ne pas avoir été mordue par l'un de ces saloperies. D'accord, l'une de ces saloperies. Maintenant que j'ai cette clé, je dois trouver son utilité. Je n'aurais pas dû m'éloigner de mon groupe de recherche. Ils vont me retrouver certains. Je veux rentrer chez moi, barricadé. Bien mieux, elles ne pourront plus passer. Ok, moi j'ai bien appuyé sur B, mais je sais pas les touches, donc c'est vachement cool de me laisser comme ça. Voilà. Ça, c'est tout Sandor, ça. Tiens, je peux pas jouer, j'ai plus de vie. Bon, bah, tu vas refaire le passage, hein. Moi, je connais pas les touches. Ah, comment vous voulez que je fasse? Mais c'était X. Non, X, non, non. Y, X, ça faisait rien.
X, ça faisait rien, j'étais comme ça, X, elle était avec toutes les araignées dessus. Je jure que c'est ça. Hein. Bon, bah, je vais essayer. Attends. Non, mais si, je vais essayer d'apprendre. Si j'apprends pas, je saurai jamais. C'est... T'as la vue inversée, c'est impossible. Attention. Ah non. Y, Y, pas X. Bah oui, mais c'était sur moi quand tu me l'as filé la clé, la manette, ma chère Sandar. Elle me file la manette, elle me dit c'est X. Bah ouais, c'est ça, ouais. Je me suis fait avoir comme un bleu, du coup. Là, ça va être easy, là. Ah, la caméra inversée, j'ai trop de mal. Comment vous faites pour jouer comme ça, les gens? C'est les anciens consoleuses. Moi, ça me dérange absolument pas. Ah ouais. Mets-toi loin, je te conseille. Faut tirer. Faut tirer. Tu veux faire ou pas? Non, pas du tout. Hein? Non, merci. Bah, tu peux t'exprimer, t'inquiète. Je ne suis pas bien du tout. Ah, ça va le faire. C'est qu'un jeu, ma chère Sandar, qu'un jeu. Ah oui, mais quand on est phobique, on est phobique. Ah oui, puis t'avais pas utilisé la trousse de soins encore. C'est quoi le menu? C'est ça. Ah, voilà, là ça va le mieux, je pense. Il faut absolument tirer là. Je sais pas comment faire. T'as vu pour viser tout? Non, pour sans viser manuellement, pour que ça vise automatiquement les ennemis, faut faire quoi? C'est gâchette. Gauche? Gauche. C'est tout? Ouais. Et tu tires avec R. Ouais, avec gâchette. Oui, avec R quoi. Oui. R. Ah non, mais R pour moi, c'est ça. Ah non, ça c'est pas R, c'est joystick droite ça. Et là, tu vises pas là, c'est... C'est exprès? Ah d'accord. Oh. Pitié. Voilà pourquoi c'est exprès. Tu veux la manette? Oui, c'est bon. Alors, tu vas pouvoir lire le mot de la dame. Mais du coup, on l'a lu. Hein. Oui, j'espère que je me suis cogné. Alors, où est la clé? Donnez-nous la clé, madame. Ah, clé des gardes. Parfait, ça. Bon, tu veux que je retourne à la porte au cas où il y a des araignées? Non, la musique est géniale. Hein. T'as vu la compo qu'ils ont fait? Ouais, c'est clair. Ouais, ok, ça c'est vraiment con parce que du coup. Merci, ne refais pas. Non, je te redonne pas la manette. Pour l'instant, c'est moi qui joue. Parce que la Sandar, elle nous fait n'importe quoi. On est en train de tout perdre. C'est exprès. Ah putain. Tu vois que c'est exprès. Et là, qu'on est dans le ciboulot, comme on dit. Ce jeu ne m'avait pas bien du tout, je tiens à le dire. Heureusement, je vais m'évanouir. Je réfléchis. Vite, touche d'action. Merde. Y. Je suis dans la merde. Trop tard. Beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Je l'ai senti venir en plus. Je l'ai senti venir. Ok. Ouais, trop classe. Regardez-moi ça comment je passe. Ok. Waouh, j'ai géré. Alors, oui, je mets la trousse de soins, une grande bien sûr. Parfait. Et là du coup, X, clé des gardes, utilisée. Tiens. Normalement, il n'y a plus d'araignée maintenant. Oui. Bah, je le sens bien, il n'y a plus de toile d'araignée et tout. Et là, c'est beaucoup trop... Beaucoup trop beau pour être honnête. Je sais pas pourquoi je dis ça. Oh, ça te dit qu'on se laisse là ou pas? Ouais. Parce que là, le passage est cool, là, ça a l'air d'être dans un nouveau lieu. Ok, donc les amis, bah, j'espère que cette petite phase 2 de gameplay avec de la peur pour Sandar, de la rage, des trucs, vous a plu. C'était la petite vidéo bonus, hein, vous le savez, de la suite du... Attention, de la suite du... Pas du tout let's play, du coup, de la découverte du remake. Remaster, remake plutôt, de Tomb Raider 2, hein, à l'époque sur PS1 et PC, voilà, toujours faite par Nico Bass, vraiment, et son équipe, vraiment, chapeau à vous, et puis du coup, bah, si jamais tu passes par là, Nico Bass, chapeau, ouais, et puis, ça fait vraiment plaisir.
Et puis du coup, on se retrouve bah, du coup pour un troisième épisode hein, bientôt. On sait pas quand, mais on le sort en petit bonus sur la chaîne, peut-être demain ou après-demain. Voilà. Ouais. Ok. Sauf que les araignées, c'était pas cool, Nico. Parce que je ne suis pas fière de toi. Ouais, bah ça, les araignées, il y en avait déjà dans les autres Tomb Raider. Ouais, ça... mais je suis pas fière de toi. D'accord. Ok. Okay. Et comment tu faisais quand t'étais petite avec les Tomb Raider, les araignées? J'avais peur. Et tu les faisais quand même? Bah, je m'en souviens pas en fait. Ah, bah, elle le faisait, ouais, elle était plus courageuse étant petite que maintenant, hein. C'est de pire en pire, hein. De pire en pire, Sandra. Bon, on vous fait plein de gros bisous, le petit pouce bleu et tout pour nous soutenir, ça nous ferait plaisir. Gros bisous à tous. Épisode 3, démarche de l'empereur.